vous dis bonjour à tous officiellement pour ce 40e et plus donc meet-up que nous organisons malheureusement sur, enfin, de manière virtuelle, mais en tout cas on est quand même toujours là et on tient la cadence. Aujourd'hui on a le plaisir donc de recevoir Alexis alias Sosten, et on va parler de Taproot, de la des signatures de Schnorr et de TypeScript. Et donc apparemment c'est une partie technique qui va améliorer le code de Bitcoin de manière sensible. Et en tout cas, ben, je crois que finalement on est combien là maintenant? Ça fait 35, 10, oui, on est à 15 13. Et 20. Donc le sujet est quand même intéressant, visiblement. Vous vous êtes déplacé, je vous remercie beaucoup. Et donc, Alexis, ben, en deux mots, je te propose de te présenter, de présenter la, de donner un petit peu la table de matière, je peux dire, du contenu de ce soir. Ok, bah écoute, merci déjà de m'avoir invité. Donc c'est la deuxième fois que j'ai la chance de parler. Alors à Liège, bon, c'est beaucoup dire pour cette deuxième fois, mais je me faisais la réflexion là tout à l'heure en me connectant que la première fois, c'était il y a un an, presque jour pour jour. On avait fait un événement, ma foi, beaucoup plus chaleureux, les locaux de l'université là de Liège, qui étaient plutôt pas mal. Donc bon, bah là, c'est beaucoup plus 2020 dans l'esprit. Mais bon, c'est pas grave, et je suis quand même content d'être là. Effectivement, je vais parler de Schnorr. Alors Schnorr, Taproot, TypeScript, ce qui est un peu une espèce de triptyque un petit peu mystérieux. Donc j'en ai, en fait, il y a beaucoup de choses à dire. Alors je vais déjà commencer par me présenter, ce sera plus facile pour la suite. Donc effectivement, alors là ce soir, je suis pas vraiment incognito, mais parce que je me suis rendu compte en me connectant que sur Discord, j'avais donc comme pseudo mon vrai prénom entre guillemets, qui est Alexis et non pas Sosten, qui est le prénom que je préfère utiliser. Donc bon bah tant pis, voilà, c'est mort. Et donc j'ai écrit et parlé principalement donc ces deux dernières années. J'ai quitté mon ancien boulot il y a maintenant 2-3 ans parce que j'avais envie de me consacrer à Bitcoin. Voilà, j'en avais marre. Je travaillais alors donc plutôt avec des assurances et ça devenait un petit peu fatigant. Donc voilà, je suis parti. Puis j'ai cherché ce que je pouvais faire un peu. Donc j'ai fait pas mal d'événements, alors à Paris, quand on pouvait encore faire des événements physiques l'année dernière, et justement la première fois que j'ai parlé de ce sujet-là ce soir, Schnorr, Taproot, TypeScript, c'était en, je crois, avril ou mai 2019, je sais plus, donc ça vous donne aussi une idée. C'est un sujet qui est discuté depuis pas mal de temps maintenant, et on va voir que en fait il était déjà discuté depuis beaucoup plus de temps que ça, même s'il reste encore relativement méconnu. Voilà, puis j'apprends à coder un petit peu maintenant. Enfin, j'apprends, on apprend toujours, on est toujours étudiant dans ce genre de domaine, mais disons que maintenant je m'en sors et je contribue alors à des projets qui sont liés à Bitcoin, mais aussi Elements. Donc c'est pas le sujet de ce soir, mais voilà, je travaille un petit peu sur Liquid, sur les sidechains ces derniers temps, donc c'est intéressant. C'est intéressant aussi, mais c'est très différent. Voilà, donc ça c'était sur moi, sur le sujet qui va nous occuper ce soir. Alors que dire? Il y a beaucoup de choses. Je pense que si vous avez déjà fait une petite recherche avant de venir ce soir, vous avez déjà dû trouver pas mal de choses, y compris des choses que j'ai faites moi en fait. Parce que c'est un projet, j'en parlerai après, mais c'est un projet qui est un petit peu qui a pris pas mal d'envergure, qui est resté un petit peu sous le radar pendant longtemps, et là depuis, on va dire à peu près un an, un peu moins d'un an même, ça a pris de l'envergure. C'est quelque chose qui est un peu plus discuté, y compris dans le grand public de Bitcoin, en dépit d'être, enfin voilà, bien que ce soit un sujet qui reste très technique. Et alors je vais faire une petite expérience. Vous allez me dire si ça va ou pas. C'est quand je parle comme ça que j'ai pas besoin du support. J'ai peut-être essayé voilà, d'allumer. Qu'on est un peu nombreux. Vous me dites si ça impacte trop la qualité du son ou voilà. Donc
vous me dites. On t'entend, et on te voit, c'est merveilleux. Ah, c'est incroyable la technologie. Voilà, donc en espérant que ça reste comme ça encore quelques temps. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai ? Oui, c'est un sujet qui est malgré tout très technique. Et c'est un peu étonnant presque que ça ait pris autant de autant de, d'importance et que ce soit devenu quelque chose d'aussi, d'aussi public. Alors c'est un sujet sur lequel il y a qui est pas évident à appréhender. Enfin moi ça m'a pris du temps personnellement. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'était en novembre dernier. J'espère que c'est une initiative qui sera reconduite pour les prochaines améliorations d'ailleurs. Enfin les améliorations on va dire un petit peu d'envergure sur Bitcoin. L'année dernière, certains devs avaient pris l'initiative. Mais je pense que c'était en toute autonomie, avait pris l'initiative d'organiser une revue de code 100% ouverte, c'est-à-dire que on pouvait s'inscrire, il y avait, on vous demandait rien, enfin vous donniez un pseudo, une adresse mail et vous étiez inscrit et ils vous organisaient en groupe en fait. Après vous aviez des canaux de discussion sur Slack ou sur IRC ou sur ce que vous voulez, vous pouvez faire sur le Discord aussi. Et il y avait une espèce de petite roadmap où on discutait, en fait, on passait en revue donc, les BIP, donc le BIP Schnorr, puis le BIP Taproot, puis le BIP TypeScript. C'était vraiment très intéressant parce qu'on a rarement l'occasion de poser des questions directement à Peter Weyle sur ce genre de sujet, donc c'était quand même une occasion à saisir. Et ça m'a pas mal aidé pour voilà, comprendre ce qui se passait. Que dire d'autre ? Alors, je vais... Bon, ça, j'en parlerai peut-être un peu après. On va attaquer peut-être un petit peu plus, alors pas le cœur du sujet directement, mais donner un petit peu plus de contexte. Et pour ce faire, je vais partager... je vais partager mon écran. Ce sera plus simple, voilà, parce que comme je suis naturellement très feignant... Normalement, vous devez voir. Est-ce que vous voyez ? Ouais, alors vous voyez mon écran comme ça, mais je vais le mettre en plein écran, ce sera mieux. Hop. Alors, pardon, j'arrive. Petite aléa du direct. Discord qui me demande mon avis quand j'ai pas envie de lui donner. Voilà. Donc, ça, c'est le support que j'avais utilisé donc, en mai 2019. Et c'est assez intéressant de le relire parce que, alors, évidemment, les bases n'ont pas bougé. En revanche, il y a des petits détails qui ont évolué par rapport à cette époque-là. Pardon, je croyais qu'on essayait de me parler, mais parce que j'entends des petits bip bip de Discord tout le temps en fond, mais c'est parfois si c'est à moi qu'on envoie des messages. Ok, alors c'est pour définir les termes un petit peu, essayer de poser les choses. La présentation donc, à l'occasion de laquelle j'avais fait ce support était plus spécifiquement orientée sur Schnorr. Enfin, j'en parlais un peu plus que TypeScript, c'est pour ça que voilà, il y a Schnorr, point d'interrogation. Ce qui est un petit peu difficile à appréhender, c'est qu'en fait, on a trois propositions, on a trois BIP, donc Schnorr, Taproot, TypeScript, qui sont évidemment très liées, c'est pour ça qu'on en parle toujours, mais qui sont quand même distincts. Schnorr notamment, encore Taproot et TypeScript, on peut dire que c'est quasiment le même sujet. Schnorr, en revanche, c'est quelque chose qui n'a rien à voir. C'est juste un algorithme de signature qui est différent de celui qu'on utilise aujourd'hui. Alors, je vais revenir là-dessus rapidement, mais on ne va pas y passer trop de temps. Et l'idée, alors c'est, je ne sais pas à quelle époque ça a été décidé de faire comme ça, mais pour certaines raisons sur lesquelles je reviendrai après, il a été décidé de faire passer Schnorr et Taproot en même temps, alors qu'on aurait pu très bien, par exemple, voir d'abord le Schnorr, d'abord déployer Schnorr et puis déployer dans un second temps Taproot, mais ce n'est pas ce qui a été décidé pour voilà, des raisons sur lesquelles je vais revenir dans un instant. Alors juste pour, bon, je dis ça, je dis rien, mais par exemple, c'est ce qu'ils ont fait sur Bcash, ils ont implémenté Schnorr sans Taproot.
Donc, ils ont depuis, je pense, ça fait un moment, ça doit faire un an et demi maintenant qu'ils ont les signatures de Schnorr. Mais pas Taproot. Donc, c'est deux choses qui sont complètement distinctes. Alors, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais bon, pareil, surtout, c'est des choses qui ont beaucoup évolué ces derniers temps, enfin, vraiment dans ces dernières semaines, et j'ai pas trop eu le temps de regarder. C'est Music. Music, donc, comme multi-signature. Alors, je vais vous demander, excusez-moi, mais si, si vous vous connectez, est-ce que vous pourriez couper vos micros, s'il vous plaît ? Parce que sinon, en fait, moi, j'entends des espèces de bruits, je ne sais pas si vous les entendez aussi, mais c'est un peu pénible. Oui, on les entend. On les entend, effectivement, ça clignote un peu dans les oreilles. Ouais. Bon, bref, c'est pas grave. Ok. Pardon. Donc, Music, qui est le protocole de multisignature qui est prévu, donc, alors qui est encore un sujet, voilà, je le tire là-dedans, mais il faut bien se mettre dans la tête que c'est encore quelque chose qui est différent de Taproot et de Schnorr, mais c'est quelque chose qui est rendu possible, on va dire, par Taproot et Schnorr, qui est très intéressant parce que ça réalise le vrai potentiel de Taproot, qui est de faire de la multisignature. De faire de la multisignature un peu compliquée, et du coup on a besoin de Music pour faire ça, mais c'est un sujet qui est à part aussi. On peut avoir potentiellement, et c'est déjà ce qu'on commence à avoir, je crois qu'aujourd'hui, si j'ai bien compris ce qui s'est passé, on a deux propositions différentes pour le protocole Music, et donc voilà, à voir laquelle sera implémentée, et laquelle sera, disons, victorieuse. Dans les termes que je voudrais expliquer tout de suite pour ne pas avoir à le faire plus tard, il y a MAST aussi. Alors, c'est un peu barbare comme nom, Merkleized Abstract Syntax Tree. Donc, j'expliquerai un petit peu après ce que c'est, mais en fait, Taproot, c'est une incarnation, on va dire, de MAST. C'est-à-dire, c'est une idée MAST, c'est une idée qui est beaucoup plus ancienne. Donc, j'ai mis depuis 2013, et je pense que le lien, ça doit être un lien vers Bitcoin Talks. C'est une idée qui est discutée depuis 2013, et il y a eu plusieurs propositions au fil des années. Aujourd'hui, c'est Taproot qui est la mieux placée pour être implémentée, évidemment, mais il y a eu d'autres. Il faut être conscient que voilà, c'est un sujet sur lequel il y a eu d'autres propositions qui n'ont pas, pas eu autant de succès, qui n'ont pas décollé, mais il y a eu de la recherche active pendant pas mal d'années. Et Graphoot, alors je vais pas trop en parler aujourd'hui parce que sinon ça va être un peu chargé. Graphoot, c'est une autre proposition qui est relativement similaire à Taproot, mais un petit peu différente quand même. Donc si on a le temps à la fin, on essaiera de voir rapidement en quoi ça consiste. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de plan. Je crois pas qu'aujourd'hui qu'il y ait de plan pour implémenter Graphoot. Donc pour l'instant, ça reste quelque chose de très théorique. Alors pour resituer un petit peu la timeline de ce que je viens de dire, faut imaginer tout à gauche de l'écran, on devrait rajouter aussi 2013 MAST, donc les premières discussions autour de MAST, et deux propositions antérieures à Taproot, donc BIP 114 et BIP 116-117 en 2016 et 2017, qui sont d'autres propositions qui essayent de faire la même chose que Taproot, mais avec des moyens différents et qui n'ont pas décollé. Je pense qu'aujourd'hui, elles sont au point mort, depuis quelques temps déjà. Et Taproot, le terme, vraiment le concept plus précis, c'est quelque chose qui est apparu début 2018. C'est un peu un mème. Enfin, souvent, mes présentations, c'est Greg Maxwell qui en a parlé sur Bitcoin Talks en 2013, parce que malheureusement c'est très souvent ça. Alors c'est pas 2013, c'est 2018, donc on a un post. Je sais pas comment il sort toutes ces idées tout le temps, et surtout comment il sort ces noms, genre Taproot, c'est les légumes, enfin les racines plus exactement, comme les carottes ou les navets, et je pense qu'il voyait une similarité entre le fait que il y a toute la partie, en fait, toute la partie, on va dire, essentielle d'une carotte ou d'un navet qui est sous la terre et qu'on ne voit pas, et qu'on voit juste une petite pousse qui dépasse, et qu'en fait, c'est quand on l'arrache qu'on voit tout ce qui était en dessous. Vous allez voir, quand j'expliquerai après, l'analogie deviendra plus claire, mais il fallait quand même l'idée, c'est un peu tordu. Dans la foulée, il avait proposé donc Graphoot, dont je parlais il y a un instant. Et la même année, un peu plus tard, on a eu j'ai mis version définitive, en fait ça c'est un peu périmé parce qu'entre temps ils ont découvert un
problème avec cette version du protocole de multisignature Music. Et il y a eu deux autres propositions un peu concurrentes. Donc voilà, c'est plus la version définitive, on va dire que c'est la V1 en juin 2018. Et courant 2020, on a eu la V2 et la V1'. Et le BIP, du coup, les BIP Schnorr et Taproot, donc ils ont été proposés formellement, enfin, justement, pas formellement, ils ont été proposés et acceptés formellement, je sais pas, c'était en janvier ou février de cette année. Mais les premiers brouillons, donc les premières propositions, ça remonte à 2018, voilà, ouais, 2019, pour Taproot et TapScript. Donc, en fait, voilà, tout ce que je raconte, qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un projet, enfin un projet, oui, c'est un projet, on peut dire ça comme ça, mais c'est une amélioration, une proposition qui a maturé pendant beaucoup de temps, en fait, un temps anormalement long, presque, on pourrait dire. Si on regarde la timeline de Segwit, entre le moment où il y a eu la proposition, enfin, je ne sais plus, c'était un white paper, je pense qu'il y avait eu pour Segwit, et l'implémentation finale, voilà, même si elle a mis un peu de temps à être activée, mais il s'est passé quoi, un an, je pense, un an et demi, fin de mémoire, ça devait être à peu près ça. Et Taproot, Schnorr, c'est des sujets qui traînent depuis des années, et ça n'est pas sans, ça n'est pas non plus sans influence sur là les débats qu'il y a aujourd'hui autour de l'activation. Alors Schnorr, bon, très rapidement, ça s'appelle Schnorr parce que ça a été inventé tout simplement. Par Monsieur Schnorr, voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un algorithme de signature. Donc pour la cryptographie qu'on utilise en Bitcoin, donc la cryptographie avec les courbes elliptiques. Et aujourd'hui, enfin depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui dans Bitcoin, on utilise un algorithme qui s'appelle ECDSA pour Elliptic Curve Digital Signature Algorithm, qui marche, enfin qui est utilisé à peu près partout, mais qui est pas terrible, enfin qui est beaucoup moins bien en tout cas que celui qui avait été inventé par Schnorr. Vous allez me dire bah pourquoi on utilise ici DSA partout, pas seulement dans Bitcoin, hein, je veux dire c'est absolument partout, et pourquoi on n'a pas implémenté Schnorr? C'est parce que Monsieur Schnorr, il a eu la très bonne idée de mettre un brevet sur son algorithme en 1989, ce qui fait que en gros personne n'a utilisé son algorithme qui pourtant est très très bien, il est très simple, très rapide, il a des propriétés qui sont vraiment très intéressantes, qui sont différentes d'ici DSA, mais comme il était breveté, il y avait peu, enfin, aujourd'hui ça a dû un petit peu changer, et encore je pense même pas, mais au moment où Satoshi a écrit Bitcoin, il n'y avait pas d'implémentation en fait, standard des signatures de Schnorr, et c'est pour ça que peut-être pas cryptographe, mais en tout cas, bon utilisateur de cryptographie qui sait ce qu'il faut faire. Il a choisi de prendre une alternative qui est standard et bien documentée, même si elle est techniquement inférieure, plutôt que Schnorr, que de bricoler sa propre implémentation de Schnorr, qui aurait été un petit peu dangereux. Voilà, ça pour le contexte. Donc, au passage, petite pique pour la propriété intellectuelle qui... décidément, la prochaine fois que quelqu'un vous dit les brevets et la propriété intellectuelle c'est super important pour favoriser la recherche, vous pourrez parler des signatures de Schnorr, comme ça vous brillerez en société. Alors ce qui est important pour en finir avec Schnorr, c'est que c'est relativement bénin, on va dire, à implémenter dans Bitcoin, dans le sens où c'est juste l'algorithme de signature qui change, c'est-à-dire les clés privées, les clés publiques qu'on utilise aujourd'hui avec ECDSA, elles sont complètement compatibles avec Schnorr, ça change pas, c'est comme si voilà, on prend juste la brique qui fait les signatures et qui les vérifie, puis on la change, on met Schnorr à la place et tout le reste reste compatible. Donc ça c'est plutôt intéressant. Alors sécurité prouvable, bon ça c'est très théorique, mais en gros là... La sécurité d'un point de vue mathématique, alors la sécurité de Schnorr est considérée comme supérieure à celle d'ECDSA. D'un point de vue pratique, je ne pense pas que ce soit très, très signifiant, mais bon, voilà, c'est bon à savoir. En revanche, ce qui est beaucoup plus intéressant pour nous, c'est la propriété de linéarité. C'est-à-dire que les signatures de Schnorr ont une propriété que n'ont pas les signatures ECDSA, qui est que vous pouvez prendre, par exemple, trois clés publiques, et vous pouvez les additionner, donc ça c'est quelque chose qu'on pouvait faire, enfin ça n'a rien à voir avec l'algorithme de signature qu'on utilise Schnorr ou ECDSA, c'est des choses qu'on peut faire déjà aujourd'hui, hein. c'est des propriétés des clés publiques avec les courbes elliptiques, on peut les additionner, on obtient donc une nouvelle clé publique, qui est la somme
de N clés, voilà. Et par contre, ce qui est très intéressant avec les signatures de Schnorr, c'est que les signatures qui correspondent, qui valident chacune de ces clés publiques, ont la même propriété, c'est-à-dire que vous pouvez les additionner, et à la fin, vous allez obtenir une signature qui va valider la somme des mêmes clés. C'est-à-dire que vous avez trois clés, vous en faites la somme, vous obtenez une nouvelle clé, okay, et vous produisez trois signatures avec chacune de ces trois clés, vous les additionnez. Donc pareil, vous prenez, c'est comme additionner des grands nombres, enfin voilà. Et à la fin, vous allez obtenir une signature qui va être valide avec la clé publique, qui est la somme de ces trois clés. Alors je ne sais pas, je sais pas si vous me suivez, mais très concrètement, ça veut dire, et c'est ce qui est utilisé dans Taproot, ça veut dire qu'on peut faire une multisignature 3 de 3, donc par exemple 3 d'entre nous ce soir, on va chacun donner une clé publique, on va les additionner, donc c'est une opération vraiment très très simple, on va obtenir une clé publique, et c'est cette clé publique qu'on va mettre sur la blockchain. On va dire, voilà, cet UTXO, ce Bitcoin, il est verrouillé avec cette clé publique. Et pour un observateur extérieur, c'est impossible de savoir, il voit une clé publique, est-ce que c'est une clé publique entre guillemets normale, qui correspond à une signature simple, avec une seule personne derrière, est-ce qu'il y a une, deux, trois, plus de personnes derrière, c'est vraiment invisible. Et ensuite, au moment où on va dépenser ce Bitcoin, chacun de nous trois, on va signer nous-mêmes la signature, enfin la transaction de dépense, donc on va avoir trois signatures, on va les additionner. On va donc avoir une nouvelle signature qui va être la somme des trois signatures précédentes, et cette signature va permettre de dépenser. On va la publier sur la blockchain et elle va valider. Et voilà, on aura fait notre dépense, et pour un observateur extérieur, lui, tout ce qu'il voit, c'est que, ok, il y a eu un UTXO avec une pub key, puis il y a eu une transaction qui donnait une signature. Ok, bon, bah voilà, c'était combien de personnes il y avait derrière, on ne sait pas. Et ça, c'est une propriété qui est très intéressante. C'est tout ce que va faire Taproot et Music, c'est d'essayer de construire sur cette propriété, mais c'est pas si évident. Voilà, pour des raisons qu'on verra peut-être un peu après, qui sont un petit peu difficiles à appréhender, mais il y a des raisons pour lesquelles ça prend un peu de temps, parce que c'est pas si facile. Là, je voulais résumer comme ça, mais si on essaie de le faire en vrai, il faut quand même faire un peu attention. Et ah oui, alors dernière propriété qui aujourd'hui n'a peut-être plus beaucoup d'importance depuis qu'on a Segwit, mais qui fait quand même plaisir, c'est que c'est des signatures qui sont non malléables. Contrairement au problème, alors tout le psychodrame qu'il y a eu avec Segwit et la malléabilité des signatures avec ECDSS, si on avait pu avoir Schnorr dès le début, ça n'aurait jamais existé, parce qu'on n'aurait juste jamais eu de problème de malléabilité. Merci Monsieur Schnorr. Alors, qu'est-ce que j'avais écrit à l'époque? Oui, bon, ça, je trollais un petit peu. Alors, je disais, c'est pas très intéressant. C'est pour expliquer aussi pourquoi on décide de mettre Schnorr en bundle avec Taproot. C'est que si on se contente de faire ce qu'a fait, par exemple, Bcash, c'est-à-dire on enlève la brique ECDSS, on met une brique Schnorr à la place. Alors, c'est cool, parce que les signatures de Schnorr sont un peu plus efficaces, donc on gagne un petit peu en vitesse de vérification. Les signatures de Schnorr sont un petit peu plus compactes, 6 bytes. Voilà. Donc on peut gagner 6 bytes sur les signatures. Ça veut dire, alors bon, vous pouvez vous dire c'est que 6 bytes, mais il faut multiplier par le nombre de transactions qu'on a tous les jours. Bon, c'est quand même intéressant, mais ça ne va pas changer la face du monde. En revanche, là où ça devient intéressant, c'est tout ce qu'on peut construire avec Schnorr, et qu'on ne peut pas construire avec ECDSS, ou en tout cas beaucoup, beaucoup plus difficilement. Donc, pour les multisignatures, c'est la conséquence, alors de ce que je viens d'expliquer avant, mais aussi de ce que j'ai expliqué là dans un instant, on va gagner énormément de place, surtout sur les multisignatures. Donc ça, c'est, je pense, vraiment le gros cas d'usage, enfin, de mon point de vue, c'est le gros cas d'usage de Taproot, c'est de rendre possible des constructions, en fait, avec des multisignatures, qui sont juste pas possibles ou on va dire très coûteuses à faire aujourd'hui. Un deuxième avantage, et c'est souvent ça en fait quand on parle de, pour une raison que je trouve un peu étrange en fait, on parle souvent de Taproot comme d'une avancée majeure en termes de privacy pour Bitcoin. Je suis pas complètement d'accord avec ça, dans le sens où, alors c'est vrai que Taproot va être intéressant à terme,
pour la privacy. Pourquoi ? Parce que ça va rendre indiscernable tous les types. Aujourd'hui, vous avez différents types d'output. Alors, c'est des termes un peu barbares, vous avez peut-être déjà vu. Vous avez sûrement vu ces espèces d'acronymes P2, PKH, P2SH, P2... après, il y a quoi ? C'est pay to witness public key hash, donc P2WPKH, voilà, celui-là, c'est pas préféré. Donc, tous ces acronymes un peu barbares, en fait, le but, c'est que à terme, on n'en ait plus besoin de tous ces types d'outputs différents et qu'on ait un seul type d'output qui serait des P2TR, du coup, des pay to taproot, et qui permettrait, du coup, de voilà, faire tout ce qu'on fait aujourd'hui, que ce soit des transactions avec un seul signataire ou des multisignatures ou des scripts un peu complexes où voilà, on aurait du P2TR. Et ça, c'est, alors ça a l'air de rien, mais c'est quand même très intéressant parce que ça augmente en fait, ça augmente, comment dire, l'anonymity set, donc je sais jamais comment, si on peut traduire ça en français, mais si vous cherchez à vous dissimuler sur la blockchain, le but du jeu, c'est aussi d'avoir les UTXO les moins reconnaissables, parce que les entreprises qui font de l'analyse de chaîne aujourd'hui sont capables d'identifier, essayent par exemple de faire ce qui s'appelle des fingerprints des wallets, c'est-à-dire que si vous utilisez un wallet plutôt qu'un autre, chaque wallet va construire peut-être ses transactions d'une façon légèrement différente, ou va avoir, en tout cas les transactions vont avoir certaines caractéristiques qui font qu'on peut les reconnaître, et on peut essayer, ça fait partie des indices qu'on peut utiliser pour essayer de faire des clusters de transactions, voilà, sur qu'on fait de l'analyse de chaîne, et du coup avoir un seul type d'output au lieu de, comme aujourd'hui on en a, je sais pas, 4 ou 5 qui sont couramment utilisés, bah, c'est quand même intéressant. Et surtout, alors quand je disais c'est présenté comme une amélioration de la privacy, moi je trouve que c'est un petit peu secondaire comme aspect, parce que moi ce que je trouve beaucoup plus fondamental et beaucoup plus intéressant avec Taproot, c'est que ça va permettre d'implémenter des scripts beaucoup plus complexes. Donc voilà, ça on en parlera un petit peu après. Et on va voir comment ça permet de faire ça. Bon, alors ça, je vais peut-être pas trop m'arrêter dessus, c'est une l'explication voilà, de l'algorithme général de Schnorr. Ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est beaucoup plus simple en fait que celui d'ICDSA, qui est un petit, celui d'ICDSA est vraiment un peu tordu. Celui-là, c'est quand même assez straightforward. Donc c'est plutôt pas mal. Alors les multisignatures de Schnorr, c'est ce que j'ai expliqué il y a un instant. Donc vous voyez, c'est on a la somme des clés publiques et puis la signature, bah ça va être la somme de tous les K et les... alors, K et EX, c'est par rapport à ce que je mets ici. Donc, E, c'est le hash de la clé publique d'un nom, c'est du message. Bon, là, enfin, peu importe, mais l'idée, c'est que c'est juste une somme, en fait. Voilà. Le problème, pourquoi je disais tout à l'heure, ça a l'air simple en théorie, mais on peut pas juste l'implémenter ça. C'est que si on l'implémentait d'une façon très naïve, comme ce qu'on voit ici, il y aurait une très forte vulnérabilité à certains types d'attaques pour une raison qui est vraiment très simple à comprendre. Hein. C'est-à-dire que si par exemple on est trois à faire une multisignature, si on le fait de façon très naïve, bah, par exemple moi je suis le voleur, enfin je suis on va dire malfaisant, mal intentionné, et je veux piquer tous les bitcoins qui vont être mis dans la multisignature, en fait ce que je vais faire, c'est que je vais pas donner ma vraie clé publique, je vais attendre que les deux co-signataires qui sont avec moi me donnent leur clé publique, et je vais donner une clé publique qui en fait annule leurs deux clés publiques. C'est tout con, hein. C'est des histoires d'addition et de soustraction, et qui font qu'à la fin, je pourrais en gros produire une signature qui sera valide uniquement avec ma clé publique à moi. Alors, je dis comme ça, ça paraît peut-être un peu... je sais pas si je l'explique bien, mais l'idée c'est que
un des signataires, s'il était corrompu, malfaisant, pourrait en fait mentir et annuler les clés publiques de ses co-signataires et faire en sorte que la multisignature devienne effectivement une simple signature signée par lui, ce qui est un petit peu problématique. Donc en fait, bon, alors on va pas, voilà, on va pas rentrer dans le détail, mais la, toute la proposition de musique, je crois que j'en parle un petit peu plus, voilà, c'est, on va éviter de trop rentrer là-dedans, mais toute l'idée de musique, c'est d'essayer de faire un protocole qui va éviter ça, qui va permettre qu'à la fin, nous trois, on puisse faire notre multisignature, et qu'aucun de nous trois ne puisse tricher ou mentir et voler les deux autres. Alors, un des petits problèmes, bon, c'est marrant de retomber là-dessus, parce que j'avais posé la question, et parfois, on pose des questions sur Twitter, il y a un dame back qui passait par là, qui avait rien à faire, et qui répond, donc tu vois, toujours amusant, mais en fait, la question que je pose ici, c'est une question qui est importante quand même, parce que quand on fait des multisignatures, en général, aujourd'hui, on ne fait pas des multisignatures N2N, enfin, ou M2M, je sais plus, mais on ne fait pas des 3-2-3, ou des 2-2-2 si, on en fait assez souvent pour Lightning, par exemple, mais il y a beaucoup de cas d'usage où on va faire des 2-2-3, ou des 5-2-7, ou d'autres schémas comme ça, où en fait, on n'a pas besoin de toutes les signatures pour valider. Et le problème dans ce que je viens de décrire aussi du fonctionnement des multisignatures, avec Schnorr, c'est que ça ne marche bien que quand on a tous les signataires. Quand on fait des 2-2-2, des 3-2-3, des 5-2-5, des ce que vous voulez, alors là ça marche parfaitement, il n'y a aucun souci. En revanche, si vous voulez faire du 2-2-3 ou du 5-2-7, c'est pas si évident. Donc voilà, il y a eu. Faudrait que je regarde s'ils ont avancé sur le sujet, mais. Il y a une possibilité de potentiellement pouvoir faire des multisignatures donc avec des seuils de cette façon-là avec musique, mais si c'est encore mûr. En revanche, là, et c'est là où voilà, on commence à rentrer un petit peu dans l'aspect vraiment taproot, il y a une autre possibilité de faire ça, c'est d'exploiter le cœur même de Taproot, qui est de réaliser un arbre de script. En fait, vous avez un arbre de script possible et vous faites comme un arbre dans lequel vous hachez un de ces scripts, un script Bitcoin, c'est-à-dire le smart contract en fait, qui va permettre de déverrouiller les bitcoins. Vous allez faire un arbre de Merkel. À la fin, vous allez vous retrouver avec une racine, donc un hash, qui est la racine de cet arbre de Merkel. Et en fait, vous allez ce qu'on appelle commit, c'est-à-dire vous allez en quelque sorte, je ne sais pas comment dire en français, mais vous allez verrouiller cette racine dans votre adresse Taproot. Ce qui fait que plus tard, si vous voulez dépenser cet output, vous pouvez le faire en réalisant un des scripts qui a été haché dans cet arbre. C'est-à-dire que vous avez n scripts. Et on n'a pas besoin, ça c'est une avancée majeure par rapport à aujourd'hui, on n'a pas besoin de révéler au moment de la dépense tous les scripts possibles qui ont été prévus au départ. Vous révélez juste le script que vous utilisez effectivement pour réaliser la dépense. Donc, je ne sais plus, alors les adapteurs signature, voilà. Je ne sais pas si tout le monde est super à l'aise, parce que je parle de script, je ne sais pas si tout le monde est super à l'aise avec ça, d'expérience pas trop, donc c'est peut-être l'occasion de s'arrêter un instant s'il y a besoin. Mais je propose aussi que si quelqu'un a des questions, donc il y a juste au-dessus une top question, et donc par écrit, on peut s'exprimer, et comme ça, ce stem qui peut lire les questions au fur et à mesure s'il y en a. D'accord, bah, faisons mais comme ça. Il n'y en a pas encore, hein, mais... voilà. D'accord, bon, bah, je vais garder un œil alors. Je vais garder un œil sur les questions, et puis comme ça on verra s'il y en a. Du coup, oui, alors les scripts, bon, très simplement, c'est le langage, c'est un petit peu abusé de dire ça, mais c'est le langage de smart contract de Bitcoin. S'appelle script. Alors, c'est un langage qui est volontairement très limité. Bon, on va pas
pas passer trop de temps dessus, mais en gros, vous avez des données, vous avez des, ce qu'on appelle les opcodes, qui sont les opérations, c'est-à-dire que vous avez des données, des opérations que vous pouvez réaliser sur ces données. Alors, pour prendre un exemple très simple, vous avez opAdd. OpAdd, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les deux données qui sont sur le dessus, il y a une pile, c'est-à-dire c'est comme si on empilait des assiettes, ou je ne sais pas, enfin vous pouvez vous le représenter comme vous voulez. Et là, vous avez OpAdd dans le script. OpAdd, il fait quoi? Il prend les deux données qui sont sur le dessus de la pile, il les additionne, il renvoie le résultat. C'est juste un exemple hein, très très simple, mais c'est comme ça que ça marche. Donc... Ouais, bon, ça. Je vais peut-être pas rentrer. Alors, si, ce qui est important quand même, je crois que j'ai fait un petit dessin après. Quand vous avez des transactions, une qui dépense là, en l'occurrence, son 0, en fait, le script, c'est la somme, enfin, plutôt la concaténation d'un script PopKey qui se trouvait dans la transaction que vous dépensez et d'un script SIG. Alors, un script SIG, c'est les origines de Bitcoin. Aujourd'hui, c'est un witness depuis SegWit. Bref, peu importe, hein, le principe reste le même. Et en fait, le script, ce que vous allez exécuter, c'est la concaténation du script PopKey que vous récupérez dans l'output que vous dépensez. Donc là, vous voyez la tech 0, elle a un script PopKey donc, qui est resté sur la blockchain pendant un certain temps. Et la tech 1, voilà, on se dit, OK, bah, on veut dépenser cet UTXO. Donc on a, vous voyez, la TX1, on a l'input, voilà, un input 1, un input 2. L'input 2, il a d'abord la référence à la transaction, l'UTXO qui veut dépenser. Donc là, en l'occurrence, alors 0, faut imaginer, c'est beaucoup, enfin, c'est des hash, hein, c'est 32 bytes de une string qui est de 32 bytes. Et la valeur après, c'est l'output, l'index de l'output. Donc là, en l'occurrence, c'est l'output 2, ça pourrait être l'output 0, l'output 1, ou voilà. Et vous avez un script SIG que vous amenez avec, et c'est pour ça que quand vous voulez vérifier une transaction, vous êtes obligé d'avoir un accès à la blockchain, parce que si vous avez la blockchain, vous allez directement chercher, vous avez la référence ici à une transaction, vous allez directement chercher la transaction, vous allez chercher le script PopKey qui se trouve dedans, et vous vérifiez, vous avez besoin de personne. À partir du moment où vous n'avez pas de blockchain, bah, vous êtes obligé de demander cette information qui se trouve dans la TX0 à quelqu'un qui a la blockchain que vous n'avez pas. Voilà, fin de la parenthèse. Donc voilà, les différents types de scripts, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, donc pareil, c'est pas la peine de trop s'arrêter dessus, mais le seul qui est intéressant pour nous là, peut-être un peu parce que c'est Taproot en fait vient un peu en remplacement, de mon point de vue en tout cas, va y appeler à complètement remplacer ça, c'est le pay-to-script-hash. Le pay-to-script-hash, c'est un principe qui est assez intéressant, et je pense que c'est important du coup de voir ça, parce que les premiers outputs qu'on faisait sur Bitcoin, c'était des pay, vous voyez tout en haut, les pay to public key. C'est-à-dire, c'est vraiment le plus simple qu'on puisse imaginer, c'est il y a une pub key. Et du coup, on dit, voilà, bah, cet UTXO, cet output, il est dépensable si tu me donnes une signature qui est valide avec cette pub key. Et ensuite, il y a eu, donc ça, c'est vraiment très, une façon très, comment dire, très, très directe de verrouiller un output avec une signature. Et on a construit avec le temps comme des abstractions, on pourrait dire un peu, et P2SH, pour moi, c'est un pas rétrospectivement qui est intéressant. Au moment où on a commencé à dire, OK, sur la blockchain, on n'a pas besoin d'enregistrer, on n'a pas besoin vraiment d'enregistrer le script qui va verrouiller la blockchain, parce que ça, c'est une information qui... C'est une information qui n'est pas intéressante en fait pour tout le monde. C'est une information qui est intéressante au moment où on dépense, c'est tout. Et c'est du coup le principe de pay to script hash, c'est d'enregistrer sur la blockchain juste le hash d'un script, un script qui peut être arbitrairement complexe. Enfin, je veux dire, c'est en général on fait ça pour des multisignatures, mais en vrai vous pouvez le faire vous pouvez le faire avec un peu ce que vous voulez, avec des scripts, je veux dire, qui peuvent être plus complexes que ça. Et du coup, sur la blockchain, ça prend la même place, que ce soit un script pas du tout compliqué ou très compliqué, ou même un script complètement absurde, qui est juste pas solvable. C'est sur la blockchain, ça se verra pas. Sur la blockchain, vous verrez juste un hash. Et c'est au moment de la dépense, en revanche, pour ça, il y a quelque chose de, je pense, qui préfigure un peu, on pourrait dire, Taproot, même si c'est, bon,
c'est des illusions un peu rétrospectives aussi, tout ça, mais il y a un principe qui est intéressant qui n'existait pas, par exemple, dans le P2PK ou P2PKH, c'est l'idée que le script est une information qui n'est pas sur la blockchain et qui doit être conservée par d'autres moyens, par les gens qui sont parties prenantes, soit destinataires. Alors, en l'occurrence, c'est plutôt le destinataire qui est concerné dans ce cas-là, c'est-à-dire c'est le destinataire doit être responsable de la conservation de son script, parce que s'il perd le script sur la blockchain, on ne l'a pas, on n'a que le hash, et s'il a perdu le script et qu'il ne peut plus le régénérer, bah, le tout, il est cramé, il est perdu. Et pourquoi c'est intéressant d'en parler, parce qu'il y a une... Même si aujourd'hui, je pense que ça va un peu mieux, mais il y a eu un malentendu assez longtemps sur la sécurité des multisignatures, où les gens s'imaginaient que à partir du moment où ils avaient toujours la capacité de produire, par exemple, dans le cas d'une signature 2-2-3, les gens se disaient, ok, bon, bah, à partir du moment où on a toujours deux clés privées, de quoi produire deux signatures valides sur trois, on est bon, on pourra toujours dépenser ces outputs-là. Bah, en fait, non, si vous avez si vous n'avez pas le moyen d'avoir aussi la clé publique du troisième signataire, même si vous n'avez pas ces clés privées, même si vous pouvez faire deux signatures, vous ne pourrez pas dépenser cet output, parce que vous ne pourrez pas régénérer, si vous l'avez perdu, vous ne pourrez pas régénérer le script avec lequel la transaction était verrouillée, et là du coup vos signatures ne servent plus à rien. Donc il y a des gens qui se sont fait un peu mal à cause de ça, parce que pareil, enfin, je sais pas, ils faisaient des multisignatures à plusieurs, puis un des signataires perdait tout. Voilà, il avait perdu son wallet et il avait, y compris du coup ses clés publiques, il n'avait plus la possibilité de régénérer les clés publiques, sans parler des clés privées, et les autres signataires, s'ils n'ont pas leur propre backup des clés publiques, donc de ce dernier signataire qui est malchanceux, eux aussi l'ont dans l'os, donc c'est bon à savoir. Voilà, fin de la parenthèse, ça c'était un petit peu... Tout ça, c'était des présentations un petit peu peut-être trop détaillées sur, sur le fonctionnement des scripts. Ça vous intéresse, on y reviendra après. Mais bon, là, je voudrais aller un petit peu plus, revenir un peu à l'essentiel. Donc là, on commence. Alors, je suis désolé si c'est un peu laborieux, mais il y a beaucoup de choses. Donc j'essaie de dérouler le fil de façon assez logique. Là, on arrive à ce qui concerne Taproot vraiment plus spécifiquement. Donc je vous ai dit au début, si vous vous souvenez, c'est une implémentation d'un principe beaucoup plus général qui s'appelle MAST, donc Merkleized Abstract Syntax Tree. J'ai commencé à en parler juste avant, c'est quand je vous ai expliqué que voilà, on allait hacher les scripts et qu'on allait faire un arbre de Merkle avec un nombre arbitraire de scripts, on en met autant qu'on veut, et que en fait au moment où on allait dépenser, on allait révéler uniquement un script, le script que effectivement on utilise pour la dépense, et que tous les autres scripts n'avaient pas besoin d'être révélés. Alors pourquoi c'est important? Parce que si on revient, ici P2SH, vous n'avez pas cette possibilité. Quand vous faites du pay to script hash, vous révélez ce qu'on appelle le redeem script, donc le script dont je parlais juste avant, qu'il faut, attention, il faut bien le conserver, parce que si vous le perdez, vous êtes mort. Voilà, ce script-là, vous révélez tout. C'est-à-dire que si vous aviez un petit peu complexe, ou par exemple, il y avait des embranchements, ce qui peut arriver, hein, aujourd'hui, ça se fait de plus en plus, donc vous avez un script où, je sais pas, il faut qu'il y ait deux signataires, trois, qui signent, sauf si voilà, vous mettez un time lock, si un certain stade dans le temps est dépassé, dans ce cas-là, un des trois signataires peut dépenser l'output sans avoir besoin de faire signer les autres, donc un cas comme ça. Vous avez donc un embranchement, vous avez deux conditions qui sont possibles, dans lesquelles le script peut être réalisé et la dépense peut être effectuée, et quand vous faites du P2SH, vous révélez tous les embranchements possibles, parce que vous mettez le redeem script, il n'est pas sécable, vous ne pouvez pas juste en révéler une partie et pas l'autre, donc vous révélez tout, et s'il y a d'autres chemins de dépense que celui que vous utilisez, vous révélez l'existence sur la blockchain de tous ces chemins de dépense. Et du coup, l'idée de MAST, ça va être, ok, on va pouvoir notre gros script qui est très compliqué avec plusieurs embranchements, on va pouvoir l'éclater par exemple en plusieurs petits scripts plus simples,
et on va faire notre app de Merkel avec ça, et on ne révélera que le script. Donc voilà, je reviens. Donc là, c'est de façon... ça, c'est juste un arbre de Merkel avec des clés publiques. Donc pour ceux qui voilà, ça, savent pas trop ce qu'est un arbre de Merkel, donc vous, en fait, vous allez hacher les pubkeys d'Alice, donc vous allez avoir le hash 0, puis le pubkey de Bob, c'est le H01, H10, etc. Donc là, vous avez 4 pubkeys, 4 signataires. Puis ensuite, vous allez faire un hash des deux hash ici, vous allez avoir ce hash-là, le H0. Puis vous allez avoir, vous allez faire à nouveau un hash des deux derniers scripts, et vous allez avoir H1. Et après, vous prenez les deux scripts H0, H1, et vous faites donc un root hash, et c'est ce root hash que vous allez mettre dans vos transactions ou dans vos adresses taproot. Voilà, alors je pense que... Ok, ah si, ah oui, c'était pour expliquer l'intérêt d'un arbre. C'est que du coup, si vous avez, là, si vous avez le... Si vous avez là, juste la clé publique de Charlie, vous ne connaissez pas les trois autres pubkeys, et que vous avez juste les hash qui sont encore là, donc vous avez un seul hash, trois hash, pardon, vous pouvez recréer le root hash, et du coup vous pouvez confirmer que la pubkey de Charlie faisait bien partie de cet arbre, sans révéler les autres pubkeys. Donc vous ne savez pas qui est Alice, Bob, et je ne sais plus le quatrième, David, je crois, ouais, voilà. Vous savez pas qui c'est, vous connaissez pas leur pubkey, voilà, mais vous avez prouvé que Charlie faisait bien partie de ce set de 4 pubkeys, et c'est ce qui nous intéresse. Voilà, et du coup, l'idée de Mast, c'est ce que j'expliquais avant, c'est là on a deux scripts, donc on a un script qui est un multisig, vous voyez en bas à gauche, donc c'est la pubkey de Bob et la pubkey de Charlie, et c'est un 2-2-2, donc il faut avoir les deux les deux signataires, check multisig, ok, vous faites un hash, vous avez le H1, et dans un deuxième scénario, vous avez juste Alice qui peut signer, et qui, voilà, ça réalise des dépenses aussi, vous allez hacher ce script aussi, vous allez faire un shoot, donc vous faites un arbre de Merkel. Alors là, c'est très simplifié, hein. Évidemment, pour que ce soit intéressant, il vaut mieux qu'il y ait un petit peu plus que deux scripts, mais c'est juste pour que ce soit plus, plus lisible sur le principe. Donc voilà, voilà, alors c'est un peu ce que j'ai dit avant, donc c'est avec P2SH, toutes les branches de votre script, même celles qui ne sont pas utilisées effectivement pour la dépense, vont être inscrites dans la blockchain. Quand vous faites du mast, bah, l'idée c'est que seule la branche qui est utilisée est inscrite, les branches non réalisées sont visibles publiquement, donc ce qui est la conséquence logique du fait qu'elles sont inscrites dans la blockchain. Surtout, ce qui est intéressant quand vous faites du mast, et Taproot va jouer à fond là-dessus, c'est que autant vous avez une limite, des limites du moins techniques, sinon on va dire organisationnelles, je ne sais pas, à la complexité des scripts avec les P2SH, du coup ces limites vous les levez avec Mast, parce que vous pouvez avoir, comme vous faites un arbre de Merkel, vous pouvez avoir un nombre potentiellement très important de scripts différents, et ça pose pas plus de problèmes que ça. Ok, alors je vois l'heure tourne, il est presque 20h, c'est peut-être le moment de faire une petite pause, pour ceux qui, je sais pas, ont besoin de faire une pause, ou moi ça me fait du bien de m'arrêter de parler 5 minutes aussi, ça me permet de Okay. Un petit peu le gosier, si vous enfin okay, si vous voulez avec ça. On fait une pause pendant 5 minutes. Ouais, donc on reprend. On reprend à l'heure pile. Ça va? Ouais. Bah, pour moi, c'est OK. Moi, de toute façon, je reste là. Non, donc s'il y a des gens qui veulent parler, bah, on peut discuter aussi. Salut Alexis. Salut. Ouais, bah voilà, par exemple, hein, s'il y a des gens qui veulent parler. Le moment. Ouais. Ça va, c'est pas trop c'est pas trop violent pour l'instant. C'est violent, mais c'est bien, quoi. Oui, voilà. Ouais, je pense que bah, c'est vrai que tu connais pas trop le niveau de ton audience, donc c'est pas évident de se mettre à niveau. Bah, on a fait le workshop, on a fait le workshop il y a 3-4 mois, donc moi ça me parle, mais c'est vrai que c'est pas évident. T'avais fait une vidéo du workshop ?
Oui, il y a une. Alors, celui qu'on avait fait. Le Python, là, le Jupyter Notebook. Je sais que Marco l'avait filmé, je pense qu'il est en ligne. Il faudrait que je vérifie. Ouais, tu peux envoyer le lien si les gens sont intéressés. Oui, bon, je mettrai le lien dans, je sais pas, un chat. Enfin, Fidal me dit, ah là oui, ou je peux mettre des liens et puis je les mettrai. Voilà. C'était, ouais, alors là, c'est. Paradoxalement, ça peut paraître compliqué, mais en fait, on rentre pas du tout dans le détail. Hein. Ça peut paraître bizarre, mais. Mais c'est vrai qu'un script, c'est très abstrait, quoi. C'est clair. Ouais, ça reste assez haut niveau encore. Ouais. Mais après, peut-être. Moi, c'est vrai que. Alors, d'une part, je connais pas trop le niveau de l'auditoire ce soir. Et d'autre part, c'est vrai que c'est des choses, peut-être, dont moi-même, j'ai un peu de difficulté à évaluer le niveau d'ésotérisme, on va dire, quand je parle de script Bitcoin, moi, ça me paraît. Maintenant, ça me paraît relativement clair, mais c'est vrai que c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Je sais pas, peut-être je reviendrai rapidement dessus après s'il y a besoin. Bon, ça va, sinon tout le monde profite bien de son confinement, c'est bientôt fini, là, le chef a dit. En train de dire que les Belges vont suivre la décision du président français, non, mais tu te rends compte de ce que tu dis? Bon, je sous-entendais même pas ça, à vrai dire. C'est parce qu'en France, pas, je dis c'est bientôt fini, mais il s'est pas engagé à grand-chose, en vrai. Non, c'est pas fini. C'est pas fini du tout. Hein. C'était plus, en fait, le point de ce que je disais, c'était plutôt ça, c'est que c'est pas fini du tout. En vrai. Bon. Nous permettre de nous barrer dans le sud, on verra. Bah, ouais, si vous pouvez, hein, profitez-en. Moi, j'ai pas de point de chute dans le sud, j'aimerais bien, mais en ce moment, ça me ferait du bien, je pense, mais... Ouais. Il commence à faire un peu froid, quoi. C'est ça. Bon, moi aussi, je vais faire une petite pause technique parce que je suis arrivé en retard, je suis arrivé à 7h30 parce que j'avais mon client qui m'a retenu un peu tard. Ah, je te demande pas qui est le client, du coup. pense que j'ai deviné. Bon, ça avance. Allez, à tout à l'heure. Salut. Il faudrait mettre un bout de la musique. On ne fait qu'en parler, on ne le fait pas. Pardon ? J'ai dit, on devrait mettre un bot pour avoir un peu de musique dans les pauses. Ouais, on pourrait, bon, on pourrait mettre un bot. Ouais, je sais pas si ça se fait sur Discord, ça doit exister. Oui, ça se fait. Ok, bon, bah, c'est un axe d'amélioration majeur, du coup, pour le prochain épisode. C'est ça. Hein, c'est voilà. Le bot qui fait de la musique quand les gens parlent pas. C'est ça. Mais, si vous voulez, on peut mettre de la musique quand je parle aussi. Hein, c'est si ça vous aide à vous concentrer, que ça ressemble plus à un bar. On peut faire comme ça. Hein. Oui, la difficulté, évidemment, c'est qu'on rentre quand même vraiment dans la technique. Et le problème est récurrent dans tous les meet-up, c'est quel est le niveau moyen de compréhension des gens. Moi, je pars du principe qu'au fur et à mesure des mois, des semestres et années, le niveau moyen augmente et qu'on peut approcher les détails. Mais bon, voilà. C'est toujours difficile. Mais peut-être que ce serait, parce que là, j'ai commencé à descendre un petit peu, peut-être que ce serait une bonne idée, là d'ailleurs les 5 minutes sont quasiment écoulées, donc je crois que je vais le faire carrément, peut-être que ce serait une bonne idée de reprendre un petit peu de hauteur par rapport à tout ce qu'on vient de dire, parce qu'on a dit un paquet de choses, mais pour résumer... Donc voilà, si notre sujet c'est Schnorr, Taproot, TypeScript. Alors sachant que TypeScript, on n'en a même pas encore parlé, on n'a même pas encore mentionné celui-là. Mais sur tout ce qu'on a dit pour l'instant, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Qu'est-ce qui est important ? Alors, je mouline à fond pour essayer d'en tirer la carte. C'est que fondamentalement, Taproot, c'est quelque chose qui n'est exploitable, utile. Que si vous faites des scripts Bitcoin un petit peu complexes. Et d'ailleurs, c'est un argument, c'est un des arguments, parler d'activation de Taproot après, c'est un des arguments pour dire que
Taproot est un changement qui est comparé par exemple à SegWit relativement consensuel, où on va dire il y a peu de résistance à Taproot, tout simplement parce que si vous n'en avez pas besoin, bah, vous pouvez juste ne pas l'utiliser, ça ne change absolument rien en fait pour vous. Après, comme je le disais avant, c'est dommage dans la mesure où à terme l'objectif ce serait, vu que Taproot permet de faire aussi ce que font aujourd'hui des adresses, alors je parle d'adresses, hein, c'est un peu techniquement pas très adéquat, mais je pense que comme ça c'est plus facile pour tout le monde de s'y retrouver. C'est, vous avez des adresses, vous savez, qui commencent par une, qui sont les pay to public keyage, donc ces adresses les plus communes. Vous avez des adresses qui commencent par 3, qui sont en fait les pay to scriptage, qui en général sont les multisignatures, mais pas toujours. Vous avez les fameuses bash32 qui commencent par BC1. L'idée, c'est qu'à la fin, au lieu d'avoir toutes ces adresses, formats d'adresses différents, qui correspondent en fait à des formats des types de scripts différents sur la blockchain, l'adresse n'est que la transcription dans un langage, d'une façon un petit peu plus visuelle et facile à reconnaître pour un humain de quelque chose qui en fait est un script Bitcoin, qui du coup est différent selon les types d'adresses. Et l'idée, c'est qu'à la fin, on n'aurait qu'un seul type d'adresse. Et pour les raisons dont j'ai parlé tout à l'heure, les raisons de fongibilité, de privacy, ce serait intéressant que tout le monde, même si vous n'avez pas besoin de faire des multisignatures ou des scripts très compliqués, que vous utilisiez quand même Taproot. Après, personne ne peut vous forcer. Et du coup, Taproot, c'est quoi? Voilà, c'est si aujourd'hui j'ai des cas d'usage avec des multisignatures, avec des scripts compliqués, avec plusieurs embranchements et des cas différents, là, Taproot, ouais, c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment très intéressant pour toutes les raisons que je vais rappeler rapidement. C'est-à-dire que vous allez gagner en privacy, dans le sens où vous pouvez dissimuler la complexité de vos scripts. C'est-à-dire que vous révélez uniquement si, voilà, on reprend l'exemple de tout à l'heure, qui est attendez, je crois que j'ai reçu une question. excuse-moi, c'est dans quel chat les questions? C'est Meetup question, d'accord. Ouais, alors ça, c'est une bonne question. Merci Yorick de m'aider à me recadrer un petit peu. Alors, un exemple concret et très simple, c'est ce que j'ai donné tout à l'heure, mais peut-être tout le monde n'a pas percuté parce que j'ai parlé de time lock, c'est un petit peu abstrait. Mais vous pouvez imaginer la situation suivante. Surtout, c'est une situation qui existe déjà. Vous allez avoir un wallet où vous allez en fait bloquer des bitcoins avec une entité qui est, par exemple, on va dire une banque, voilà, peu importe, et vous allez vous mettre d'accord pour une raison quelconque, une raison business, voilà, mais vous voulez bloquer un bitcoin sur une adresse qui ne peut être dépensée que si la banque et vous êtes d'accord. Du coup, vous allez avoir un script, donc vous allez avoir une multisignature 2-2-2, vous avez une clé publique qui correspond, enfin qui vous appartient, une clé publique qui appartient à la banque. Et pour réaliser cette dépense, il faut que la banque et vous signez la transaction et que voilà, vous ayez des transactions de signature valide. Le problème, si vous faites ça, et en général, on évite de faire des scripts 2-2-2, juste comme je viens d'écrire, tout simple, parce que qu'est-ce qui se passe si vous disparaissez, enfin peut-être pas physiquement, mais alors on va prendre un exemple un peu moins tragique, mais vous perdez vos clés, vous pouvez plus signer, ou la banque disparaît, ça peut arriver, la banque fait faillite, ou la banque est victime de, je sais pas, d'un hack, la banque perd toutes ses clés privées, enfin voilà, un truc catastrophique, ça peut arriver aussi. Là, vous vous retrouvez dans une situation où vous avez des bitcoins qui potentiellement ne peuvent plus être dépensés, parce que vous avez besoin de deux signataires, et pour une multitude de raisons, un des deux signataires n'est plus en mesure de signer. C'est pour ça qu'en général, on va mettre une deuxième condition avec ce qu'on appelle un time lock, c'est-à-dire vous allez mettre une limite temporelle qui peut être relative ou absolue, c'est-à-dire vous pouvez dire je veux que, à telle date, alors c'est avec la blockchain hein, qu'on calcule ça en général, donc c'est un petit peu approximatif dans le temps, mais vous pouvez dire à peu près, voilà, le
si le 20 janvier 2021, cet output n'a pas encore été dépensé de façon conjointe par la banque et moi, bah, dans ce cas-là, soit la banque, soit moi, il n'y a plus qu'une seule clé qui peut signer. Et la dépense peut se faire quand même. Donc ça veut dire que si jamais il se passe quelque chose, vous perdez toutes vos clés, voilà, bah, la banque, elle n'a qu'à attendre le 20 janvier 2021 et puis elle pourra signer toute seule. Et on pourra récupérer les bitcoins. Après, évidemment, bon, ça peut passer par d'autres voies légales pour savoir qui va les récupérer à la fin, mais ça, c'est un autre débat. C'est que techniquement, sur la blockchain, ils n'ont pas été perdus en tout cas. Maintenant, on va rajouter un petit peu, voilà, un petit peu de complexité. Disons qu'on ne veut pas que ce soit la banque ou vous qui puissiez signer le 20 janvier 2021. Donc, on a une condition qui est un petit peu plus complexe. On veut que ce soit, par exemple, l'utilisateur qui puisse signer tout seul à partir du 20 janvier 2021. Et la banque, par contre, la banque, elle ne peut pas dépenser à ce moment-là. La banque, elle peut dépenser toute seule, potentiellement, mais beaucoup plus tard. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment dans le cas où vous, enfin, on imagine, c'est dans le cas d'une, je sais pas, d'une succession ou d'un problème très grave. Enfin, je veux dire, vous avez perdu vraiment toutes vos clés. Et dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est on va mettre un. Donc, on a notre premier embranchement avec le cas, on va dire, de dépenses normales. Donc, la banque et vous, vous signez. On a un deuxième embranchement où on dit à partir du 20 janvier 2021, vous, vous pouvez signer. Et ça marche. Et on va rajouter un troisième embranchement qui va dire, je sais pas, on va dire, si le 31 décembre 2021, l'output est toujours là, les bitcoins n'ont pas bougé, bah dans ce cas-là, la banque peut signer. Et elle peut dépenser toute seule. Du coup, là, voilà, vous avez déjà, votre script commence à déjà pas mal se complexifier, vous avez trois embranchements, et on est sur quelque chose de quand même pas super compliqué. Maintenant, il faut imaginer le cadre, alors je sais pas si on est dans une organisation un petit peu complexe, on a un board de directeurs, mettons qu'ils, je sais pas, mettons qu'ils sont 7. Ils sont 7, on veut qu'il y en ait 5 qui signent pour valider une dépense. Et en dessous, donc vous avez le board, puis en dessous, vous avez, je sais pas, un autre service avec un chef de service et puis un directeur qui a un suppléant, je sais pas, quelqu'un qui peut signer à sa place s'il est... en incapacité ou pour une raison quelconque, bah déjà là vous avez une multisignature 5-2-7 qui doit être utilisée conjointement avec une multisignature 1-2-2, potentiellement avec des time lock. Donc là le niveau de complexité, on n'est pas dans une situation d'un point de vue organisationnel, j'y arrive, on n'est pas dans une situation qui est très complexe, mais d'un point de vue script sur Bitcoin, ça commence déjà à devenir velu. Et si vous rajoutez des couches comme ça, ça va devenir de pire en pire. Et j'en profite pour mentionner un projet dont j'ai déjà parlé il y a fort longtemps, à l'époque où on pouvait encore faire des meet-up physiques et pas tout seul devant son ordinateur chez soi, où j'avais parlé de Miniscript, qui est un projet aussi de Peter Weller et Andrew Polstra, quand même, voilà, ils sont deux, on va les citer, et qui vise à rendre la production de script Bitcoin plus facile. Bon voilà, je ne vais pas en parler plus que ça ce soir, mais c'est un projet. Alors tout à l'heure je disais que Taproot avait pris beaucoup d'importance dans le débat aujourd'hui et qu'il était très suivi, et peut-être, alors je ne sais plus si je l'ai dit mais je vais le dire maintenant, peut-être pas forcément à bon escient. J'ai l'impression que voilà, Taproot a peut-être pris un petit peu trop de place maintenant, ou en tout cas pas pour les bonnes raisons, et il y a des projets qui sont aussi très importants, même s'ils sont moins, comment dire, moins sexy, moins impressionnants, mais par exemple Miniscript est un projet qui a l'air de rien, mais qui en fait permet de rendre possible tout un tas de cas d'usage. Par exemple, alors il y a quelques semaines, j'avais fait, je pense que la vidéo doit être en ligne, je crois, je suis pas sûr, j'avais fait un meet-up aussi sur ce qu'on appelle les vaults, qui sont en fait des scripts Bitcoin, des smart contracts Bitcoin, un petit peu complexes, dans lesquels on rajoute des conditions pour éviter les vols. Alors, c'est destiné principalement aux exchanges ou aux organisations. L'idée, c'est que voilà, vous pouvez mettre des Bitcoins dans... Alors, un vault, c'est un coffre-fort en français. Donc, vous pouvez les mettre dans un coffre-fort et que même si vos clés étaient compromises, vous avez, alors par une espèce de mécanisme de script un petit peu complexe avec des conditions que je ne vais pas décrire ici, mais vous avez la possibilité
en fait, de rattraper, d'annuler en quelque sorte une transaction qui serait illégitime. C'est-à-dire que même si vous faites voler vos clés privées, le voleur essaye de voler, vous avez la possibilité de rattraper les bitcoins et de les ramener dans des adresses qui ont été planifiées à l'avance, etc. Donc c'est assez complexe. Et par exemple, le vault, c'est typiquement le genre de cas d'usage qui aujourd'hui donc, sont possibles. Enfin, il y a des travaux en cours là-dessus, notamment Revolt, voilà, que je salue, qui sont possibles principalement parce qu'on a Miniscript. Et je pense que Taproot, sans Miniscript, par exemple, bah, ce ne serait pas évident, parce qu'il faudrait écrire des scripts, on serait assez rapidement limité dans la complexité des scripts qu'on pourrait faire, et comme tout le point de Taproot, c'est de faire des scripts complexes, ce serait dommage. Donc ça prend place dans un tout, en fait, une évolution un petit peu plus globale, je dirais, en ce moment. Alors, je me rends compte que j'ai un petit peu perdu le sens du... Je ne sais pas si c'était suffisamment simple et lisible et concret comme exemple de smart contract Bitcoin, ce que je viens de décrire, mais en tout cas, c'est un exemple de quelque chose qu'on pourrait faire voilà, assez facilement. Alors, ouais, j'en profite parce que là, je suis sur... Bonsoir Hello World, qui me demande s'il y a des besoins de cliquer et est-ce qu'il y a un site qui permet de voir les différents scripts présents sur le mainnet. Alors, un site qui permet de voir les différents scripts présents sur le mainnet, en fait, bah, c'est... ça s'appelle un explorateur de blockchain. Si vous savez, alors le problème, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas tant de différents scripts que ça qui sont présents sur le mainnet. C'est-à-dire que pour des raisons qui sont assez simple. Alors, le nombre de différents scripts, en fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est il y a, pour faire vraiment très simple, vous avez des pay-to-public key, pay-to-public. Alors, sachant que les pay-to-public key, c'est vraiment les... Ah, pour voir si c'est vraiment utilisé. Alors, si le sens de la question, c'est de se rendre compte quand Taproot sera là, s'il est vraiment utilisé, oui, c'est très facile à voir parce qu'il suffit d'analyser, vous analysez. Exocet, vous avez un node, n'importe quel node, full node Bitcoin, vous avez tout l'outil Exocet, donc tous les outils Exo qui ne sont pas dépensés, enfin par définition un outil Exo n'est pas dépensé, mais tous les outils Exo à un instant T, puis bah, juste vous analysez les scripts et vous pouvez voir en proportion combien vous avez de pay to public key hash, combien vous avez de pay to scriptage, combien vous avez de pay to taproot plus tard. Est-ce qu'il y a un service qui fait ça? Je pense pas qu'il y ait un service, il y a des stats qui sortent dans les articles, donc je pense que c'est les gens, enfin quand ils ont besoin d'écrire un article, comme c'est généralement des gens un petit peu techniques qui s'intéressent à ça, bah en fait ils savent comment analyser ça avec juste leur nœud. Je pense pas qu'il y ait un service, mais peut-être que ça existe, je sais pas, faudrait regarder. Genre des front-end au-dessus d'Indexor, ouais, peut-être. Alors, si ça existe, je ne l'ai jamais utilisé, mais c'est vrai que ce serait, en plus, je pense que ce serait même pas si difficile à faire que ça. Donc, ça se trouve, quelqu'un l'a déjà fait, il faudra regarder. Mais par contre, pour répondre à la première question, est-ce qu'il y a des boîtes qui ont été compliquées, je pense que. Comment dire, pour l'instant, on utilise pas trop de scripts compliqués parce que c'est dangereux aussi, en fait. Et l'intérêt de Taproot et l'intérêt de Miniscript et voilà de toutes ces choses qui se mettent en place aujourd'hui, c'est de rendre beaucoup plus accessibles les scripts compliqués. Et du coup, pour l'instant, il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas des masses de boîtes effectivement qui utilisent des scripts compliqués, mais si on avait Taproot, je pense que ça deviendrait intéressant pour plein de cas d'usage où on a notamment du custodial. Je parlais de Vault juste avant, bah, le Vault c'est typiquement un cas d'usage. Qui me paraît quand même extrêmement pertinent et qui limiterait énormément la casse voilà, des hacks d'exchange qu'on a depuis des années, des exchanges qui sont volés beaucoup d'argent, et si les vaults étaient généralisés, ça limiterait quand même beaucoup ça. Ça permettrait aussi de créer, je sais pas, plein de services avec des séquestres, plus facilement en tout cas que ça n'est fait aujourd'hui. Donc je pense que
En fait, alors ça, c'est quelque chose d'un peu personnel, mais je pense qu'à l'avenir, en fait, on devrait tous faire du multisig dans des proportions, alors peut-être un peu différentes, mais même si vous êtes tout seul, c'est une très bonne idée de faire du multisig avec vous-même. Parce que ça vous permet de répartir votre risque, parce que ça vous permet de le gérer plus finement, de gérer plus finement vos backups de clés, ça vous permet de. Enfin, moi, je trouve ça mieux. Alors après, ça demande un investissement peut-être un petit peu plus complexe en entrée, mais justement tous les outils qui peuvent être faits aujourd'hui et qui vont dans le sens de simplifier ça et de le rendre plus accessible, je pense que c'est une bonne chose. Ah, voilà. Alors, ouais, là, une question. Alors, je le mentionne. Enfin, c'est pour la fin du meet-up, mais peut-être on peut le dire maintenant. Y a-t-il des ressources similaires pour Schnorr et TypeScript? Alors, il y a quelque chose que j'avais utilisé d'ailleurs pour. Marcus s'en souvient pour notre un des meet-ups qu'on avait fait sur le sujet. C'est, je ne sais pas si tout le monde connaît, en fait, ce qu'on appelle un Jupyter Notebook. C'est-à-dire, c'est une espèce de petit serveur en fait qui fait tourner un Python et auquel vous accédez. Alors, ça tourne en local, ça tourne sur votre ordinateur et puis vous y accédez avec votre navigateur Internet. Et c'est très pratique parce qu'en fait, c'est des petits bouts de code, des petits blocs qui sont faciles à digérer que vous pouvez exécuter un par un ou dans un certain ordre ou gommer. Voilà, donc c'est d'un point de vue pédagogique, c'est très intéressant. Et les gens de Bitcoin Uptech, qui sont une excellente ressource. Donc Bitcoin Uptech, j'encourage fortement tous les gens qui s'intéressent à toutes ces questions de bah, déjà s'abonner à la newsletter tous les mercredis et à regarder de temps en temps ce qu'ils font parce que bah, ils font pas beaucoup de bruit, mais ils font des choses vachement intéressantes. Et ils avaient fait l'année dernière un Jupyter Notebook pour expliquer dans le détail comment fonctionnait Taproot et Schnorr et un peu TypeScript aussi. Et c'était très très bien fait. Alors, je pense qu'il est un tout petit peu périmé sur certains détails parce qu'il y a des choses qui ont évolué cette année. Donc, oui, j'ai un lien, je le mettrai. Il doit traîner dans un coin, je le mettrai après. Mais du coup, effectivement, je pense que ce qui se rapproche le plus du lien, là, alors, Learning Method from Command Line, c'est vachement bien. Mais effectivement, pour Taproot, je pense que. Le Jupyter Notebook dont je viens de parler, c'est ce qui s'en rapproche le plus et qui est. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est super accessible hein, pour tout le monde, mais pour ceux qui veulent vraiment rentrer dans le détail, c'est bien fait. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on a commencé à pas mal dévier, mais bon, je vais essayer de raccrocher les morceaux, hein. J'essaie de raccrocher les wagons. Donc, si, là, je reviens. Alors. Dans mon support, c'est là le cette slide là, je vais pas passer parce que en gros c'est ce que j'ai expliqué juste avant avec quand on fait des scripts avec différents embranchements. Donc j'ai voilà, je pense qu'on va pas perdre plus de temps avec ça. En revanche, et là on attaque un petit peu la partie qui commence à faire un peu mal aussi sur OK. Donc là on a vu c'est très bien, Taproot. Ça permet d'avoir un nombre arbitraire de scripts qu'on peut utiliser pour la dépense. On va les hacher, les mettre dans un arbre de Merkel. Ils seront tous dans l'adresse Bitcoin qu'on va utiliser, on va payer. Voilà. Et au moment où on veut la dépenser, on révèle juste l'embranchement qui nous intéresse et pas les autres embranchements autour. Ok, je pense que jusque-là, ça commence à être clair. Là où ça commence à piquer un peu, c'est comment on fait ça vraiment. Donc voilà, j'ai fait à l'époque, j'avais fait ce petit schéma absolument magnifique avec des petites boîtes. Du coup, comment le lire? Vous avez en entrée, donc ça se lit de la gauche vers la droite. Donc à gauche, en haut, vous avez le Merkel Hashroot, c'est quoi? C'est ce qu'on avait vu que vous avez acheté, vous avez fait un arbre de Merkel et vous avez la racine de l'arbre de Merkel. Ça, c'est la boîte rose en haut à gauche. Et ensuite, vous avez un nombre arbitraire de clés publiques. Qui correspondent aux différents signataires. Donc là, bon, il y en a trois, mais j'ai une mienne, en fait, vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Et vous allez faire la somme. Vous vous souvenez, je vous ai expliqué au début les signatures de Schnorr. Enfin, avec Schnorr, ça, c'est quelque chose des sommes de clés publiques qu'on pouvait le faire
on pouvait le faire avant Schnorr, ça n'a rien à voir, mais avec Schnorr, disons qu'on peut faire des signatures qui valident ça, donc c'est beaucoup plus intéressant qu'avant. Et on va faire la somme de toutes ces clés publiques, on va obtenir donc ce que, voilà, dans le jargon de Taproot, il s'appelle la clé interne, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, donc la Taproot Internal Key, qui est la somme de toutes les clés publiques des participants. Et ensuite, vous allez... alors, je réfléchis, tweak hash, l'opération exacte qui a été faite, parce que le Merkle hash root, du coup, c'est un scalaire, donc je pense que dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que vous allez multiplier le Merkle hash root par la taproot internal key. Enfin, bon, bref, peu importe. Mais en tout cas, vous allez faire une opération avec ces deux éléments, vous allez un tweak hash, voilà. Ça s'appelle comme ça, j'y peux rien. Et à partir de ce tweak hash, je crois, vous allez, de mémoire, vous allez le chercher, vous allez obtenir une clé privée, enfin un hash que vous, du coup, vous pouvez utiliser comme une clé privée. À partir de cette clé privée, vous pouvez dériver une clé publique, comme avec n'importe quelle privée. Donc n'importe quelle clé privée, ça c'est complètement une opération complètement banale. Et ensuite, et c'est là où ça devient un petit peu, ça devient un petit peu casse-tête. C'est, vous voyez, vous allez faire la somme du coup de cette clé publique qui est en haut à droite avec la taproot internal key que vous aviez déjà utilisée avec la marque hash root pour obtenir le tweak hash, et vous allez avoir la taproot output key qui donc est la clé publique qui correspond effectivement à l'adresse que vous allez mettre sur la blockchain. Et en dessous, alors il y a deux bullet points. Alors, si vous ne comprenez pas tout le détail de pourquoi on fait des tweaks, tweakage, tweak pref key, à la limite, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que vous voyez à gauche, vous avez la racine de l'arbre de Merkle et vous avez un nombre n arbitraire de clés publiques. Et qu'à la fin, à droite, en bas à droite, vous avez une seule clé publique qui contient en quelque sorte toutes les informations que vous avez à gauche. Et c'est ça qui est extrêmement puissant, en fait. Et du coup, alors juste pour. Les deux petits points que j'ai mis en dessous, c'est pour expliquer les dépenses, en fait. Non, c'est un peu pareil, c'est un peu du jargon, mais si vous lisez des explications, des articles sur Taproot, ils vont parler de key spend ou de script spend. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez deux façons, là, cette clé publique que vous avez obtenue à la fin, que vous allez mettre sur la blockchain, c'est ça que vous allez enregistrer sur la blockchain. Et vous avez deux façons de la dépenser. La première façon, c'est si tous les signataires, donc là à gauche, toutes les clés publiques qui correspondent chacune à un signataire, ils sont tous d'accord pour faire une dépense, bah, tout simplement, vous allez signer, vous allez tous produire une signature, et à partir de cette signature, de cette somme, voilà, que vous avez produit, vous avez un agrégé qui va être valide avec cette clé publique en bas à droite. Et du coup, dans ce cas-là, c'est le cas peut-être le plus difficile à obtenir. Je pense que dans la réalité, ça se passera rarement comme ça, parce que ça veut dire qu'il faut que tous les signataires soient présents, et voilà, donc vous ne pouvez pas complètement reposer dessus. C'est des cas qui, pour des raisons humaines, des raisons d'organisation, pour plein de raisons, en fait, sont peut-être pas les cas les plus fréquents. Mais si vous arrivez à faire ça, c'est extrêmement puissant, parce que sur la blockchain, on ne voit rien. Tous les scripts à gauche, vous avez un nombre N de scripts avec des conditions de dépense. Vous avez un nombre N de pubkey voilà, qui correspond à des signataires. Toutes ces informations, en fait, sont complètement invisibles. Et sur la blockchain, vous arrivez à les compter dans une seule clé publique, avec une seule signature. Et c'est tout ce dont on a besoin, c'est tout ce qu'on voit. Et tout le reste, on sait. Donc ça, c'est le cas, entre guillemets, idéal. Et le deuxième cas, qui n'est pas donc le key spend, le script spend, c'est-à-dire que vous allez avoir un des signataires. Alors en général, on peut imaginer des cas où ce serait d'autres signataires, même si je pense que ce serait un peu bizarre. Enfin, là, pour le coup, d'un point de vue d'organisation, ou voilà, que ce serait un peu étrange, mais vous allez avoir un des signataires qui va fournir un script avec la preuve de Merkle qui est associée, donc qui prouve que ce script fait bien partie de l'arbre de Merkle qu'on a en haut à gauche. Il va fournir ça. Il va fournir l'internal key. L'internal key, c'est quoi? Donc, c'est-à-dire il a la somme de toutes les clés publiques des participants. Et ensuite, évidemment, il faut qu'il... Donc là, il a, comment dire, il a gagné, pas encore gagné le droit de dépenser, il a juste gagné le droit de jouer, si vous voulez. C'est-à-dire il a fourni un script
Il a prouvé qu'il faisait bien partie des gens qui ont initié, on va dire, cette adresse, enfin, qui était à la création de l'adresse, parce qu'il a fourni un script, il a prouvé que ce script faisait partie de tous ceux qui avaient été générés au moment de l'adresse. Et évidemment, ce script contient des conditions, demande un certain nombre de signatures, à des time locks, toutes les conditions que vous voulez dans un script Bitcoin normal. Ces conditions, il doit les satisfaire pour pouvoir réaliser la dépense. Mais je reformule peut-être pour que ce soit plus clair. Quand vous faites un script spend, c'est-à-dire c'est vous avez prévu dans le Merkle Hashroot là en haut à gauche, donc vous avez prévu un certain nombre de scripts dans votre app de Merkle qui correspondent chacun à un cas de dépense possible. Donc peut-être je dis n'importe quoi, il y a un script où vous dites que c'est le signataire A qui peut dépenser, mais à partir d'une certaine date. Puis vous avez un autre script qui dit ok, bon bah si B et C sont d'accord, ils peuvent dépenser, peu importe la date, enfin ils peuvent le faire quand ils veulent. Puis vous avez un troisième script qui dit si A et C sont tous les deux d'accord, après une certaine ils ont le droit de dépenser aussi. Donc voilà, vous pouvez imaginer toutes les combinaisons en fait de ces éléments que vous voulez. Et le script spend, c'est tout simplement vous allez prendre un de ces scénarios, vous allez le soumettre avec la preuve de la preuve de Merkle, donc la preuve qui voilà, il était bien dans cette arbre de Merkle, et vous allez pouvoir réaliser la dépense comme ça. Et ça veut dire que à la fin sur la blockchain, ce qu'on va trouver, c'est on va trouver donc voilà, un script. Le script que vous allez effectivement utiliser sera sur la blockchain, ça vous n'avez pas le choix, pour qu'il soit validé. Mais en revanche, vous ne savez pas, voilà, vous allez voir, ok, bah, c'est un script avec B et C qui signe. Ok, bon, bah, vous voyez les pubkits B et C. En revanche, combien d'autres signataires il y avait? Vous n'en savez rien. Est-ce qu'il y avait d'autres conditions? Combien d'autres conditions de scénarios de dépenses possibles il y avait? Vous ne savez pas. Voilà, donc vous savez que ça. Ouais, bon, ça, en gros, c'est ce que je viens d'expliquer. Alors ça, bon, ça, c'est assez amusant à relire dans le contexte de l'époque. Il y avait encore des discussions aujourd'hui, je pense, assez consensuelles. Et justement, bon, ça va me permettre de faire le lien avec l'activation. Aujourd'hui, c'est assez consensuel, Taproot. On a l'impression, il y a peu de gens qui ont des objections, ou en tout cas des objections recevables à faire à Taproot. Mais à l'époque, en 2019, c'était quand même encore des discussions. Mark Friedenbach, alors c'est. Je l'avais mis là parce que en fait, c'est le. Vous vous souvenez au début, je vous ai dit, il y a eu d'autres. Avant Taproot, il y a eu d'autres propositions d'implémenter Mast. Et Mark Friedenbach est un des. Comment dire? Et c'est un de ceux qui a proposé, je ne sais plus si c'était BIP 116 ou BIP 117, mais une des autres initiatives malheureuses d'implémentation de Mast, voilà, qui donc peut-être qu'il aurait préféré que ce soit sa solution qui soit adoptée, je ne sais pas, mais il était assez critique sur Taproot et il pensait que c'était plus intéressant d'ajouter des nouveaux opcodes, en fait, de faire évoluer script, le langage script en ajoutant des opcodes. Plutôt que de faire Taproot. Alors, son objection, je pense, elle est un peu périmée. Et pourquoi? Ça me permet de faire le lien avec TypeScript aussi, dont on a très très peu parlé jusqu'à maintenant. En fait, TypeScript, c'est quelque chose qui va avec Taproot. Qui rajoute tout un tas, et ça, c'est quelque chose dont on parle assez peu et qui est pourtant très intéressant dans le cadre de Taproot, c'est tous les niveaux de versionning en fait et d'évolutivité, les mécanismes d'update en fait de scripts que on rajoute avec Taproot. Pourquoi? Parce que faire évoluer script aujourd'hui, c'est pas évident. Pourquoi c'est pas évident? Parce que si vous rajoutez des nouveaux opcodes qui sont pas connus, ou même que vous en désactivez d'ailleurs, c'est assez dangereux. Si vous rajoutez des opcodes, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, si un autre nœud, quelqu'un qui n'est pas à jour, et il voit passer un opcode qu'il ne connaît pas. Donc, ce problème, jusqu'à maintenant, il était réglé. Il était réglé avec des opcodes spéciaux qui s'appelaient les NOP.
qui étaient des sortes de placeholders, en fait, qui avaient, alors c'est des choses qui remontent loin, hein, c'est des choses qui avaient été mises en place par Satoshi Nakamoto, donc ça commence à dater. Et voilà, il avait dit, ok, bon, on va prévoir un certain nombre d'opcodes qui sont en fait des faux opcodes et qu'on réserve pour des usages ultérieurs qu'on ne connaît pas encore. Sauf que ce système, il est un peu... il ne marche pas très très bien. Enfin, il y a eu quelques évolutions grâce à ça, mais... c'est pas très pratique. Et justement, la proposition de Taproot, c'est de modifier ça en rajoutant... faudrait que j'avais vu ça l'année dernière, j'ai un petit peu oublié, mais de mémoire, il y avait 3 ou 4 mécanismes de versioning de scripts qui étaient ajoutés dans TypeScript. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, rajouter des opcodes, c'est compliqué, c'est du consensus. Donc ça veut dire que c'est extrêmement lourd, c'est très risqué, ça a peu de chances d'aboutir. Il y a peu de propositions de nouveaux opcodes qui aboutissent de façon générale. Et avec TypeScript, on pourrait imaginer des scénarios où on aurait des... Alors là, on aurait les TypeScript V1, puis plus tard, on aurait des TypeScript V2, avec des opcodes différents, des capacités différentes. Et ça marche. Et vu qu'on est dans ce système de... Comment dire, on a une espèce d'abstraction supplémentaire par-dessus les scripts Bitcoin qui fait que ça serait plus un motif de hard fork. Donc ça donne beaucoup plus de souplesse et d'évolutivité au script Bitcoin eux-mêmes. On peut imaginer même, alors il y a des gens qui n'ont pas très très bien compris comment ça pourrait marcher, mais je me souviens que j'avais été très très marqué par une remarque de Peter Weller, je pense que c'était pendant la revue de code qu'il avait fait ça, qui disait qu'à terme on peut même imaginer de complètement remplacer le langage script au sein de TypeScript par un autre langage. C'est-à-dire de réinventer, alors réinventer peut-être un autre langage de smart contract qui serait valide, ce serait une version dans TypeScript et ça marche et ça provoquerait pas de hard fork. Et j'avoue, j'avais été assez... Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas très très bien compris comment on pourrait faire ça, mais le principe m'avait vraiment choqué, on peut dire ça, plutôt dans le bon sens du terme. Faudrait que je me replonge dedans un jour. Donc voilà, TypeScript, Taproot et TypeScript, c'est aussi, de mon point de vue, principalement ça, beaucoup plus que la privacy. C'est tout un mécanisme de versioning assez complexe qu'on rajoute par-dessus Bitcoin de façon relativement indolore, on va dire, et qui permettra, c'est pas tellement ce que ça permettrait de faire immédiatement au moment où on activera Taproot, c'est plutôt qu'est-ce que ça permettrait de faire plus tard quand on construira vraiment d'autres choses par-dessus. Et là, on peut avoir des choses intéressantes, alors que je dis des choses intéressantes, mais en vrai, j'en ai aucune idée, parce que si j'avais, je pense que si j'avais des idées, je serais en train de les faire et je serais pas en train de parler là, parce que ce serait beaucoup plus important. Donc voilà, ça va libérer, j'espère que ça va libérer en tout cas la créativité de certains développeurs pour faire évoluer le langage script. Et juste avant qu'on passe, je vais parler de l'activation, je pense, et puis après on aura pas mal fait le tour déjà. Un petit commentaire. Effectivement, Marsu me signale et il a tout à fait raison. Et c'est ce que je vous disais, si vous vous souvenez tout à l'heure sur les multisignatures, déjà je vous avais dit ça. Il faut être conscient que Taproot a plus forte raison, par rapport au pay-to-scriptage qui avait déjà cette caractéristique, il faut être extrêmement vigilant sur les informations qui permettent de créer votre script au départ. C'est-à-dire que si vous perdez des scripts qui ont été utilisés dans la génération de la lame Merkel, puis que vous perdez la preuve de Merkel, imaginons, hein, ça c'est un cas qui pourrait tout à fait arriver, bah vous êtes mort. Vous ne pouvez plus recréer la racine de l'arbre de Merkel parce que vous n'avez plus tous les scripts. Et si vous ne l'avez pas par ailleurs, bah, vous ne pouvez plus faire de dépenses. Alors que vous avez toutes les clés privées qu'il faut, hein, pour faire les signatures. Donc si ça arrive, bah, vous êtes mal. Et je pense que c'est un peu le sens de l'histoire. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, c'est un peu le sens de l'histoire dans Bitcoin. C'est que petit à petit, on retire des choses de la blockchain et on déporte sur l'utilisateur, enfin, ou sur, en tout cas, je dis l'utilisateur, c'est un peu, ça fait genre, c'est vous qui allez devoir faire ça, voilà, mais en vrai, ce sera fait automatiquement, mais disons qu'on déporte sur d'autres couches logicielles la responsabilité
la responsabilité de conserver un certain nombre d'informations relatives des scripts Bitcoin. C'est-à-dire que, comme l'espace sur la blockchain, et je pense que c'est normal que ce soit le sens, entre guillemets, le sens de l'histoire, c'est que l'espace sur la blockchain, il coûte cher. Enfin, je veux dire, je pense qu'on s'en est bien rendu compte depuis le temps. Et le, entre guillemets, le moins on met dessus, le mieux on se porte. Et à terme, idéalement, la blockchain, ça ne devrait être, c'est pas un espace de stockage d'informations. Ça, on devrait stocker le minimum d'informations qui permettent la validation, en fait. Tout ce qui nous intéresse sur la blockchain de Bitcoin, c'est de valider que voilà, une dépense est légitime, que quelqu'un qui dépense un output est bien en droit, enfin, pas le bon mot, mais en capacité, on va dire, de le faire. Et toutes les informations qui ne sont pas nécessaires à la fin pour arriver à ce résultat doivent être, je pense, c'est ce qui se passe aujourd'hui, sont progressivement rejetées vers d'autres couches. Et je pense que c'est un développement tout à fait sain et rationnel, hein, d'ailleurs. Voilà. Donc c'est une évolution, comme Taproot aussi manifeste, une évolution peut-être un petit peu plus, profonde du protocole de Bitcoin en général. Mais bon, la contrepartie de ça, c'est que vous, en tant qu'utilisateur, va falloir être conscient de ça, et conscient, et surtout les gens qui vont écrire les logiciels, qui vont utiliser ça plus tard, doivent être conscients de ça, et de comment on doit conserver et sécuriser ces données, qui sont quand même assez sensibles. Voilà, donc on a une autre question ici, modalité de déploiement encore flou. Ah oui, alors ça c'est quelque chose qui est peut-être un peu daté, qu'est-ce que j'ai mis? Oui, alors ça c'est, en fait, c'est propre au déploiement, c'est pas vraiment spécifique à... alors modalité de déploiement, c'est ce dont j'ai parlé tout de suite. Avec le débat autour de l'activation, puis je pense qu'on finira là-dessus. Après, quand je dis anyone can spend, en fait, c'est quelque chose qui est complètement, propre à SegWit et au versionning de SegWit, et propre peut-être au soft fork d'ailleurs, de façon plus générale sur Bitcoin. C'est-à-dire que quand vous rajoutez des outputs qui nouveaux, enfin, c'est typiquement ce qui s'est passé avec SegWit, si vous imaginez qui vont voir passer ces outputs et qui doivent les valider, il faut se dire qu'ils ne savent pas ce que c'est. Il faut se dire un nœud pré-SegWit ou pré-Taproot ou presque vous voulez, il voit un output Taproot, comment il est censé l'interpréter? Qu'est-ce qu'il est censé faire avec? Il ne sait pas ce que c'est. Et du coup, en général, pour SegWit, par exemple, c'est le cas, et puis pour les versions, vous savez, SegWit a un certain nombre de versions, donc il y a les SegWit V0, et puis Taproot, ce serait les SegWit V1, en fait. Ce qui a été décrit avec SegWit, c'est que les SegWit V1, V2, V3, je ne sais plus jusqu'à combien ça monte, sont anyone can spend, tant qu'ils ne sont pas définis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, si on implémente Taproot, qu'il commence à y avoir des nœuds, il va y avoir un certain temps pendant lequel sur le réseau, les nœuds Taproot vont cohabiter avec des nœuds qui ne sont pas Taproot et ne savent pas ce que c'est. Les nœuds qui ne sont pas Taproot, ce sont des nœuds SegWit, en revanche, j'ose espérer qu'il n'y a plus beaucoup de nœuds SegWit, c'est un peu dangereux. En fait, ils vont voir des transactions Taproot, pour eux, des outputs Taproot, ce sera des SegWit V1. Et du coup, eux, ils vont voir ça, ils vont dire, OK, anyone can spend. C'est-à-dire, je valide, je ne regarde même pas ce qu'il y a derrière. Et c'était juste ça, le sens de cette phrase, c'est juste ça. Après, ce n'est pas un gros problème. Dans le sens où, de toute façon, si vous recevez des outputs, si vous êtes propriétaire, entre guillemets, enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais si vous recevez des bitcoins sur des adresses Taproot, c'est que donc vous êtes conscient que vous utilisez Taproot et que vous avez pu créer une adresse Taproot, a priori avec un client bitcoin qui comprend Taproot, puisqu'il est capable de générer des adresses Taproot, donc pour lui, ce ne sera pas anyone can spend. Et du coup, on ne pourra pas voler de bitcoin comme ça. Donc, c'est pas une remarque très pertinente ici. En revanche, sur les modalités de déploiement, oui, alors c'était une question, évidemment, en mai 2019, plus forte raison à ce moment-là, qui était absolument pas tranchée. Et je vais finir juste avec un petit commentaire là-dessus. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est il y a 2-3 mois à peu près, ils ont ouvert, on a ouvert sur IRC, je sais même pas qui a ouvert ça d'ailleurs, un canal qui est dédié aux discussions sur l'activation de Taproot. Et ce qui est très intéressant, alors j'ai pas, il y a énormément de
recrues, ça a pas mal parlé. Donc, bon, j'ai pas tout lu, mais les premiers jours, les discussions des premiers jours étaient assez intéressantes parce que, en fait, ça permettait de se rendre compte de plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a un vrai traumatisme de, on va dire, de certains développeurs ou core dev. Il y a un vrai traumatisme de l'activation de Segwit qui s'est pas très très bien passé. Enfin, je pense que tout le monde, voilà, ceux qui étaient déjà là à ce moment-là se souviennent, et puis les autres ont probablement entendu parler. C'était pas, voilà, c'est pas très très bien passé. Et il y a une espèce de paranoïa. Enfin, je pense que ça s'est un peu calmé, mais sur les premières discussions qui c'était vraiment essayer d'envisager tous les scénarios où les pourrait faire obstruction à l'activation de Taproot, et comment on pourrait faire, et si jamais on active comme ci ou plutôt comme ça, voilà. Donc c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait des gens en face, alors puis Grégory Maxwell, mais pas seulement, qui avaient un point de vue beaucoup plus tranché et qui disaient bon, arrêtez, de toute façon Taproot, il y a eu suffisamment, vous vous souvenez la timeline que je vous ai montré au début, ça fait quand même un moment, il y a eu beaucoup plus déjà de temps de développement et de temps de revue de code pour Taproot que pour Segwit. C'est maintenant, il faut y aller, il faut arrêter de discuter. S'il y a des problèmes, bah, on les verra et on avisera, mais pour l'instant, enfin, humainement, rationnellement, par rapport à tout ce qu'on a à disposition comme information aujourd'hui, on ne trouve pas de problème. Donc voilà, peut-être qu'en activant, on se rendra compte de certaines choses, mais on le saura qu'en l'activant, donc maintenant il faut y aller. Et le plus tôt on le fera, le mieux ce sera. Donc voilà, le débat, les deux camps, c'est un petit peu comme ça que ça se divisait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, alors c'est un petit peu des détails d'activation, mais qui sont intéressants, c'est que Segwit, ça ne s'est pas très très bien passé, parce que le mécanisme d'activation qui avait été mis en place, c'était un mécanisme où en fait, il fallait que 95% des mineurs, ouais, c'est ça, je crois que 95% des mineurs signalent le support de Segwit pour que pour que Segwit soit activé. Le truc, c'est que du coup, ça donnait un poids, j'ai rendu compte à l'occasion de Segwit que ça donnait un poids assez démesuré